2023 a été une année dynamique et productive pour la Fédération béninoise de judo. En début de l'année 2024, un bilan est fait à la famille de la discipline. Nous avons élaboré en collaboration avec la Direction technique nationale le guide national de progression du 21 au 2 mai 2022. Était à la manœuvre Monsieur Sabouan Abraham de Détel, Monsieur Badou Adrien, Napol Otto Christian, Olafa Eric, Oketokou Ismail, ALSO Aristide et Madame Atiemoussel. Nous avons également participé à l'Assemblée générale ordinaire du CNOS Ben le 16 décembre 2023 à Cotonou. La Fédération béninoise de judo a marqué son engagement en matière de formation et de recyclage avec la participation aux sessions pratiques des instructeurs et entraîneurs, l'examen pratique des entraîneurs niveau 2 et la formation sur les obligations légales et fiscales des associations. En 2021, nous avons participé à la formation organisée à l'intention des présidents, secrétaires et trésoriers généraux des fédérations. C'était une formation organisée par le CNOSBEN sur l'élaboration du plan stratégique des fédérations nationales. C'était du 10 au 13 novembre 2021 à Kapopo. Janvier, saison sportive 2022. En termes de formation et recyclage, nous avons participé de janvier à décembre. Nous avons participé à la formation organisée par le FIDE à l'intention des responsables administratifs sur la professionnalisation sportive les 6 et 7 janvier 2022 à Grand Popo. 2024 est l'année d'organisation des Jeux Olympiques. L'événement sportif planétaire a lieu à Paris au mois de juillet. Le judo béninois était présent à l'édition précédente avec Celtus de Souyovo. La Fédération béninoise met un point d'honneur à une nouvelle représentation du pays en France.